Bonjour, eh ben, c'est reparti. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire écouter de la musique, pour en parler, pour la présenter. Et cette semaine, c'est de la Khazanout que je vais vous faire écouter. Alors, c'est pas très souvent que je vous passe de la Khazanout. C'est une partie de la, une part de la musique juive assez particulière, hein. C'est la façon qu'ont les musiciens, les chantres, les cantors de chanter les offices dans les synagogues. Alors la Khazanout, c'est plus particulièrement un art qui s'est développé à la fois en Italie et en Allemagne notamment, et dans les pays d'Europe de l'Est. Et aujourd'hui, les Khazanim les plus connus sont des Khazanim ashkénazes. Qui se produisent dans de grandes synagogues qui ont une tradition ashkénaze. Il y en a en France, c'est essentiellement à Strasbourg ou quelquefois à Paris, mais il y en a aussi évidemment à New York et en Allemagne. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Bâle. Bâle, la ville Basel, la ville suisse, qui a un chœur de synagogue et un chazan. Et donc le Razan s'appelle Issachar Hellman et ils ont enregistré un album de Razanout pour la période de Rosh Hashanah et Kippour, donc une période particulièrement faste au niveau des offices. Et ben voilà, je vais vous faire un peu écouter ce chœur, le chœur de Bâle et Issachar Hellman. Donc tout de suite avec un morceau qu'ils ont enregistré qui s'appelle Betzet Israël.
Betzet Israël par Issachar Elman, le cantor, et le chœur de la grande synagogue de Bâle en Suisse. Voilà, alors là, la Chazanout, vous voyez, c'est une façon de chanter la liturgie, donc les textes des prières des différents offices, mais un art qui s'est développé à partir de l'art de l'opéra. Hein, on retrouve un petit peu les cantors qui sont un peu comme des ténors à l'opéra, et qui, en même temps, développe une façon de chanter les airs qui ont sans doute plus leurs racines dans un monde séfarade, un monde plus oriental, et c'est cette espèce de jonction qui se fait, qui a créé ce monde de la Chazanout, qui n'est ni de l'opéra, ni du bel canto italien, ni de l'opéra wagnérien, bien évidemment, ni du chant séfarade, mais une espèce de mélange d'un petit peu tout ça, et qui donne sa spécificité. On va écouter un deuxième morceau chanté par Issachar Elman, le cantor de la grande synagogue de Bâle, accompagné par les chœurs de cette synagogue, Ineni et Ani Mimas. Wir alle wollen schwung,
cielusi, cet philosophe in verrugi, o fieco in nove, o secondo in me quedo e vicorello in noiem, o miglior verdas, im abrieus. Vesi Issachar Hellman et le chœur de la grande synagogue de Bâle. Voilà, vous voyez là un petit peu ce qu'on chante dans ces grandes synagogues. Si vous avez l'occasion en France, par exemple, d'aller à la grande synagogue de Strasbourg, vous pourrez quelquefois avoir la chance d'écouter un petit peu en live, au sein d'un véritable office, ce que peuvent donner ces performances quelque part. Il y en a aussi à Jérusalem, la grande synagogue de Jérusalem est aussi connue pour son chœur et ses cantors. On va écouter un troisième morceau, donc tiré de cet album. L'album s'appelle Yahalé. Je ne sais pas si on peut encore le trouver dans le commerce, mais en tout cas, moi, je vous le fais écouter. Le morceau s'appelle Retizi Hachem. Retizi.
Rétizi Hachem, Issachar Elman, le cœur de la grande synagogue de Bâle. Voilà, c'est cet album que je voulais vous présenter aujourd'hui. On va terminer l'émission, mais on va rester un petit peu dans le même esprit, mais avec de la musique baroque. Alors la musique baroque, c'est quoi? C'est la musique de la fin de la Renaissance, et un peu avant le début de l'âge classique, c'est 17e, 18e siècle, en Europe essentiellement, notamment en Allemagne. Et ici, je vous propose quelque chose qui est tiré d'un album qui est paru aux éditions de l'Institut européen des musiques juives. L'album s'appelle « Musique juive baroque » et il y a comme ça tout un répertoire de musiciens, notamment italiens, qui ont écrit pour des synagogues ou alors pour des petites pièces dramatiques musicales créées à l'occasion de fêtes. Et ben là, je vous propose de terminer l'émission avec un morceau de Abraham Caceres, Iski Riski,
Voilà, c'est un morceau qui dure une petite dizaine de minutes. Voilà, vous aurez une idée de ce que c'est que la musique baroque juive. Donc à l'époque, au XVIIe siècle, tel que ça pouvait être chanté et célébré dans les synagogues. Un petit retour dans le passé qui devrait un petit peu vous exciter votre curiosité. Voilà, le retour dans le passé, c'était le passé. La semaine prochaine, ce sera la prochaine émission. J'espère bien vous retrouver. Christ.